Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien au chaud, que vous vous êtes préparé sûrement un chocolat chaud, un thé ou un café. Maintenant, eh bien, nous pouvons commencer. Alors, dans un premier temps, de quoi va-t-on nous parler? Sachant que j'ai un ressenti à vous transmettre. Alors, avant de vous montrer là, les cartes qui sont tombées, parce qu'il y en a deux, je vais voilà, vous montrer un petit peu, bref. J'ai ressenti que là, comme vous pouvez le constater, dans beaucoup d'endroits, il fait très froid. Et que ces basses températures pourraient permettre de façon inattendue de rapprocher certaines personnes. Parce que là, il y en a beaucoup forcément qui sont célibataires, voire forcément, vous pourriez ne pas être célibataire, mais il y a le côté où, là, pour l'instant, vous n'avez rien de prévu pour cet après-midi, pour ce soir. Et que vous allez être invité, c'est une personne, et que là, voilà, il y aura ce besoin de se coller l'un contre l'autre pour se réchauffer. En tout cas, il y aura comme ça un rapprochement naturel, un rapprochement inattendu. Alors, concernant le tirage, dans un premier temps, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, je ne parle pas de la relation avec par rapport au rapprochement que vous allez avoir. Vous voyez, ce que j'ai ressenti peut être différent de justement du tirage. Mais là, il y en a pour qui ils sont dans une relation et il y a ce côté de porter le masque dans le sens où, parce qu'il y a deux significations. C'est soit que cette personne eh bien, n'est pas fidèle, hein, clairement, et, ou alors, voilà, puis cette personne soit n'est pas fidèle, et qu'en plus, cette personne vous dit avoir des sentiments pour vous, tenir à vous, etc., mais en fait, pas du tout. Et il y a aussi le côté, où, pour certaines personnes, où cette personne a des sentiments pour vous et attiré par vous, mais jusqu'à maintenant n'osez pas vous le dire. Alors je pensais qu'il y avait deux cartes, il y en a trois, bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, le tirage, il n'y aura plus que trois cartes. On nous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, forcément, là, peut-être qu'il y en a qui sont loin pour le moment de partir en vacances, mais moi, c'est plus le côté d'apprécier le moment présent, d'apprécier l'instant présent que vous allez passer tous les deux. Alors en effet, ça peut concerner ce rapprochement inattendu qu'il y aura entre vous et que ça, eh bien, il y a le côté d'assumer justement qu'il y ait ce rapprochement et que voilà, des fois, il se passe des choses, on s'y attend pas. Après, le côté d'assumer, il n'y a pas cette notion de tromperie, c'est que la personne aura du mal, peut-être dans un premier temps, d'assumer qu'il y aura eu ce rapprochement, ou peut-être que une personne qui a jusqu'à maintenant qui n'assumait pas le lien qui est entre vous, le rapprochement, voilà, l'attirance pour vous, et là, eh bien, va, voyez, même si c'est un peu fort de dire d'assumer, mais c'est parce que il n'y a pas le côté assumé parce que voilà, elle n'assume pas. Elle veut qu'elle voudrait le cacher aux yeux des gens. Non, pas du tout. C'est que cette personne sort de votre schéma répétitif, tout comme vous sortez de son schéma répétitif. La preuve, c'est que sans avoir regardé la carte, on nous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et c'est comme ça, justement, ça concerne, comme je vous disais, cette notion de rapprochement inattendu. Des fois, il y en a, enfin, ils se sentent attirés par une personne, mais ne l'assument pas. Et c'est dans un moment particulier où, eh bien, vous se rendre compte que, voilà, vous prenez conscience, vous remarquez que l'autre personne réveille en eux, eh bien, des sensations que peut-être ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas ressenties ou qu'elles n'ont jamais ressenties.
On nous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Alors ça peut être l'autre personne, vous voyez le côté assumé, mais j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que ne pas prendre le mot, voilà, oui, forcément, pourquoi est-ce qu'il n'assumerait pas, etc. Pourquoi il ne veut pas assumer? Mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est pas vraiment tel quel qu'il faut prendre le mot. Mais là, il y a le côté où cette personne va lâcher prise et assumer. Être dans l'instant présent, vous voyez ce moment romantique, ce moment de rapprochement qui va se passer pour beaucoup de personnes, voilà, avec cet homme ou cette femme, bien au chaud, voilà, sous un plaid, eh bien, ça va faire que vous allez être tous les deux dans l'instant présent. Vous allez tous les deux être voilà, dans le moment présent et dans le lâcher prise. On nous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Là, il est possible, vous voyez, que la relation n'avance pas ou que la personne ne veut, jusqu'à maintenant, ne voulait pas vous avouer réellement ce qu'elle pensait parce que, on va dire qu'au niveau financier, ce n'est pas ce qu'elle espérait. Vous voyez, comme si que des fois il y en a, ils pensent que l'argent, eh bien, que avoir une certaine aisance financière, que ça sera important pour l'autre personne. Alors que pas du tout. Et là, eh bien, voilà, la personne va prendre conscience que finalement, au-delà possiblement de la différence financière entre vous, du statut financier, eh bien, que vous avez quand même, que vous aurez besoin l'un de l'autre. Et des fois, il suffit de moments comme ça inattendus, donc des moments, ces fameux moments de rapprochement inattendus, pour constater que vous avez besoin de ces moments-là, de ces moments de tendresse, de rapprochement, mais pas avec n'importe qui, avec cette personne, tout comme cette personne, ces moments de tendresse, de rapprochement, eh bien, en aura besoin avec vous. Et ça, il est possible qu'elle ne s'en est pas encore rendu compte. Mais par rapport à ce rapprochement qui va avoir lieu, là, peut-être aujourd'hui ou dans cette semaine, eh bien, cette personne va vous demander, vous n'aurez même pas besoin de, cette fois-ci, de lui demander pour se reconnaître, on se revoit. Cette personne, elle va vous demander de vous voir. Mais pas de quand est-ce qu'on se revoit, mais j'ai envie de te revoir là, j'ai envie de te revoir. Maintenant, si tu es disponible, j'ai envie de passer te voir parce que j'ai envie d'être près de toi, j'ai envie d'être dans tes bras. Ensuite, n'hésitez pas, voilà, encore une fois, à rester jusqu'à la fin de cette guidance. On nous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, là, cet instant vous permettra, eh bien, de libérer votre passé, et comme je vous disais, de vivre, d'être dans l'instant présent, dans le moment présent, et du coup, de vivre pleinement ce que vous allez vivre, cet amour que cette personne va vous apporter au moment présent, que ce soit dans les paroles, dans les petits mots doux que cette personne vous chuchotera à l'oreille, ou par des doux baisers dans le cou, bref, ou le fait de vous prendre dans ses bras. Et pour finir, eh bien, on nous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Mais moi, j'ai envie de vous dire le contraire, parce que que ça, eh bien, ne demandez pas conseil, n'en parlez pas, parce que cet épanouissement, ce bonheur que vous allez vivre avec cette personne, gardez ça pour vous, parce que sinon vous risqueriez de ne plus revivre cet instant. Pourquoi? Parce que les personnes pourraient vous dissuader de continuer à revoir cet homme, à revoir cette femme, ou l'inverse, ou ça peut être des deux côtés,
Et du coup, malheureusement, vous ne pourriez pas vivre cette histoire d'amour qui, j'ai envie de vous dire, eh bien, vous tend les bras. Et maintenant, eh bien, pour les personnes qui le souhaitent, eh bien, je vous propose de fermer les yeux et, dans votre tête, de répéter plusieurs fois, je manifeste cette guidance ici et maintenant. Et moi, eh bien, il me reste à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci pour votre présence. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et je vous dis à bientôt.